Quelle heure il est? C'est l'heure de Sigmund! Ah là, j'ai vraiment pas d'idée pour un personnage. Là, choisissez, vous autres, moi, je vais y penser. OK, non, mais moi, je l'ai déjà. Oh! Puis ce coup-là, Guy Jodoin, t'auras pas le choix de me choisir. C'est quoi? C'est qui? C'est Big. C'est très Big. Qui? C'est très, très Big. C'est... Megan Rapinoe! Ah. Rappelle-nous donc, c'est qui déjà, Megan Rapinoe? Rappelle-nous donc, voilà. Qu'est-ce que. OK, vous me niaisez, là. Non. Voyons, Megan Rapinoe, c'est la meilleure joueuse de soccer au monde. Ah non, moi, je pense pas que vous pouvez accoter ça. Vous autres, vous êtes qui, là? Moi, c'est. Flipper le Dauphin. Flipper le Dauphin, félicitations. Ah. OK, Dominique. OK. Pas d'idée, moi non plus, mais regarde, on va prendre. Mon Dieu. Regarde, Mario Pacha. Wow! OK, Michel, t'as juste un intro musical. Bonsoir, je m'appelle Sigmund Freud. Bienvenue à Freud Reçoit. Ce soir, mon invité, c'est une vedette internationale. Et c'est nommé Mario Pelcha. Tabarnak! Ouais. Vedette internationale, Mario Pelcha. Ben quoi, il fait des spectacles à Beyrouth. Oui, en Beyrouth, il a juste fait une ville. Tu sais que je suis pas obligé de te donner une justification, là. Hein? Tu sais, c'est mon choix, c'est tout. Okay. Juste que dans ce cas-ci, tu comprennes. Tu sais, Megan Rapinoe, c'est bon. Oui. C'est vraiment très bon. Ah, mais... Oui. Et Mario Pelcha, pour moi, là, moi, ça vient me chercher ici, là. Direct en patate. Tu sais, Megan, c'est sûr qu'elle passe avant Flipper. Ah oui. Mais pas Mario Pelcha. OK. T'sais, non, je peux. Moi, je peux juste pas, tu comprends? Faut juste. Merci, Guy. Merci. Merci pour ta confiance. Ça me touche tellement. Là. Merci d'être confiante. C'est beau, les gars. Ah. OK, ben, on repart ça. OK. Mario Pelcha, mesdames et messieurs. Mario Pelcha. Oui, on peut applaudir, je pense. Oui, oui. Ah. Bienvenue, Mario. Oui. Ah. Mario a un petit cadeau pour nous. Il a décidé de partager sa thérapie avec nous. Ça fait déjà quelques mois qu'on travaille ensemble et il a accepté de venir nous en parler. Mais ça me fait plaisir, docteur Freud. Mario a un problème et c'est du domaine public. Mario, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ce que tu as? Oui, ce qu'il se passe, c'est que depuis quelque temps, j'ai des problèmes de nodules sur les cordes vocales, ce qui m'incommode. Psst, psst. Oh. Mario. Oui? Je ne te parle pas de tes problèmes de nodules. Je te parle de, tu sais... Non. De petits problèmes de comportement. Non, je ne sais pas. Ben oui, problème comportemental, agressivité, violence, et tout ça causé possiblement par le rejet du père et de la mère. Non, ça ne me dit rien. Mario, on va parler de ton comportement agressif. Si je pleure dans la pluie, tu n'iras que du feu. Mario, Mario, reste avec nous. Mario, je vais te dire un mot, et tu me dis le premier mot qui te vient en tête, à l'esprit, tu comprends? Mais. On y va? Mais. On commence? Sûr. Parfait. Alors, je te dis le mot hiver.
Mario? Oui, ce n'est pas facile. Est-ce que j'ai le droit de dire le même mot? Non, il faut que ce soit un autre mot. Parce que le seul mot qui me vient en tête lorsque tu dis hiver, c'est hiver. Il faut que ce soit un autre mot. Est-ce que j'ai le droit à un appel? Non! Est-ce que je peux passer mon tour? Chris, hiver, c'est pas compliqué! Je sais pas, moi, neige, verglas, froid... Ah, ça c'est trois mots. Je te donne des exemples! Alors prends un de ces trois mots. Lequel? N'importe lequel, j'aime les trois. Non, il faut que tu choisisses toi-même, pas moi, toi! T'es donc ben nul, espèce de gros sang de sein! Je ne sais pas, docteur Freud, mais il me semble que vous avez des problèmes d'agressivité. Peut-être causé par le rejet de votre père ou de votre mère. Est-ce que vous avez déjà pensé consulter? Ah! Plus capable! Alors, revenez-nous la semaine prochaine à l'émission Mario reçoit, alors que mon invité sera le docteur Sigmund Freud, un homme aux prises avec de violentes crises de rage. Ah! C'est pas possible! Y'a pas de sortie! C'est pas des sorties de secours!